Salut tout le monde, bienvenue sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la dernière roadmap qui a été diffusée à l'occasion du live stream du 5 juin dernier par l'équipe de Bungie. Donc on reprend un petit peu les news et les mises à jour qui ont déjà été déployées sur cette roadmap. On peut voir par exemple la mise à jour 1.2.0 qui a déjà été déployée, la 1.2.1 également. Et là, on va découvrir tout simplement la mise à jour 1.2.3 qui va sortir le 17 juillet prochain. Alors, je ne m'attarderai pas du tout sur l'année 2 de Destiny 2 puisque j'ai déjà fait une énorme vidéo récapitulative à ce sujet qui reprend toutes les nouveautés de l'année 2. Nous, aujourd'hui, on va juste se focaliser sur tout ce qui va sortir en juillet de cette année, donc le 17 juillet. Donc c'est la mage 1-2-3 et cette mage, elle nous annonce avant toute chose l'arrivée du solstice des héros. Donc on ne sait pas du tout pour le moment ce dont il va s'agir. On sait que c'est un événement qui va donc sortir pour l'été. On ne connaît pas sa durée totale et on ne connaît pas non plus ce qu'il va contenir. Mais voilà, ce solstice des héros est annoncé pour le 17 juillet. Alors parmi toutes les petites nouveautés, on va pouvoir faire un point et découvrir un petit peu tout ce qui nous attend à l'occasion de la saison 3 qui est donc en cours actuellement. Donc il y a pas mal de nouveautés à sortir le 17 juillet, comme par exemple les parties rapides en PVP qui seront dorénavant disponibles en 6 contre 6. Donc j'ai l'impression qu'ils nous mettent de plus en plus de modes en 6 contre 6 pour le PVP, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque semble-t-il, la communauté avait l'air de ne pas trop apprécier le mode 4v4, ou du moins le mode 6v6 leur manquait un petit peu, semble-t-il. Donc voilà, c'est l'arrivée des matchs rapides en 6v6 le 17 juillet prochain. Et concernant le PVP toujours, on va retrouver également une playlist permanente pour le mode Rumble. Donc Rumble, si je ne me trompe pas, c'est le mode carnage, j'espère que je ne me trompe pas. Donc Rumble, le mode carnage en français, on aura une playlist permanente, donc là encore une bonne nouvelle pour les joueurs de l'épreuve, et on va avoir également l'arrivée, enfin plutôt le retour des contrats. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle, ça donnait une grande longévité au jeu sur Destiny 1. C'est vrai que les contrats étaient particulièrement appréciés des joueurs sur le premier opus, on avait même un préposé au contrat. Tout ça, ce sont des petites choses qui ont disparu avec Destiny 2 et qui finalement reviennent puisque la communauté n'a cessé de s'en plaindre, et je trouve ça normal. C'est vrai que c'était dommage de supprimer ces acquis. Là, nous avons les contrats qui reviennent le 17 juillet. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Petite parenthèse d'ailleurs, ces contrats seront, je pense, régulièrement renouvelés, puisque le 4 septembre prochain, pour l'année 2, on sait d'ores et déjà que de nouveaux contrats seront apportés au jeu. Donc il va y avoir une sorte de renouvellement permanent de ces contrats, là encore, ce qui va permettre de faire durer le jeu encore plus longtemps. Alors concernant le 17 juillet également, vous allez avoir la sortie des versions prestige des entre-deux raids pour les DLC 1 et 2. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, ça fait longtemps qu'on l'attendait, je trouve que ça a vraiment beaucoup traîné d'ailleurs. Et vous avez également l'arrivée enfin du chat de clan textuel pour les versions PC. Ça encore, c'est quelque chose qui s'est fait longtemps attendre. Donc voilà, toutes les petites demandes ont été entendues. Elles se mettent en place au fur et à mesure. C'est vrai que ça traîne un peu, mais c'est juste pour vous dire que voilà, ça arrive progressivement dans le jeu et qu'il va y avoir pas mal de nouveautés, surtout le 17 juillet et surtout le 4 septembre. On a également les livrets de moments de triomphe de l'année 1 qui vont être diffusés à cette occasion. Donc il s'agit du fameux livret des challenges que vous avez pu compléter sur toute une année et ce qui va vous permettre de compléter ceux que vous n'avez pas accomplis lors de cette année 1. Et c'est surtout ce qui annonce un petit peu la fin de la saison 3 et la fin de l'année 1 pour Destiny 2. Vous avez également de nouvelles armures exotiques qui ont été annoncées et des changements au niveau de la sandbox. Donc la sandbox, c'est tout simplement l'équilibrage des armes, donc pas de précision, on nous annonce simplement qu'il va y avoir des petits changements au niveau de la sandbox. Donc à savoir, dernière précision, que tout ce qui est écrit sur cette feuille de route sera accessible à tous les joueurs, même ceux qui n'ont pas acheté les DLC 1 et 2, à l'exception bien sûr évidemment des entre-deux raids pour ceux qui n'ont pas les DLC, ce qui est logique. Restez connectés également puisque bien d'autres news vont être annoncées encore jusqu'à la fin de la saison 3, et il y aura peut-être probablement d'autres feuilles de développement, cette fameuse roadmap, qui seront annoncées jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà, j'espère que ces news vous ont plu. Moi, ça me fait plaisir dans le sens où pas mal de petites choses ont été entendues par les développeurs et sont mises en place progressivement. C'est une très bonne nouvelle. Et je sais que vous allez me le demander, je fais juste une parenthèse là-dessus. Pour tous ceux qui attendent vraiment avec impatience et depuis longtemps
longtemps le fait de pouvoir démanteler les revêtements en stack, et bien sachez que c'est quelque chose qui est prévu, qui est en cours, mais qui sortira là encore pour le 4 septembre prochain. J'espère que toutes ces news vous ont plu. N'hésitez pas, comme toujours, à réagir dans les commentaires. Je vous souhaite une très très bonne journée. Geekez bien, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao tout le monde!